Truffier chaque année. C'est beaucoup. C'est-à-dire que nous, on lutte à notre façon non seulement contre le réchauffement climatique par la présence de mise en place de chênes, d'arbres, mais également l'absorption du carbone, on y contribue. On a tendance à l'oublier, mais rien que dans les Alpes-Maritimes, avec le soutien que nous apporte le département, nous avons déjà planté 350 hectares de chênes truffiers dans le département des Alpes-Maritimes. 350 hectares, vous multipliez par 300, ça fait pas loin de 90 000 arbres plantés dans notre département pour essayer d'obtenir de la truffe. C'est la raison pour laquelle nous arrivons à avoir ces beaux produits. Le problème que nous rencontrons, c'est devenu banal maintenant. Tout le monde. La plus grosse manifestation de la truffe qu'on a eue cette année. On refait la photo vite. Plus de monde. Hip hip hip. Ah ouais. J'en refais la photo vite. Je vous félicite de tout. Vous êtes des amours. Vous êtes compliqués aussi, des fois. C'est clair. Et compliqué, attaché ou séparé? Donc, attaché, mais vous avez quand même une amitié qui est extraordinaire. On refait la photo, une seconde, monsieur. Mais, que ça continue. On refait la photo vite. Vite. 1, 2, sort un peu.